face là. Le mec qui... Il a fait les maîtrises, c'est rien. Omega Master de Sultana de Delhi en face. T'inquiète, je vais montrer c'est qui le Omega Master. Allez. Si je vous rejoins, je vais me faire arracher. Ouais, il y a des chances là. Ah, c'est en vrai. En vrai, continue de train. Ah oui, c'est vrai que non, t'es russe, c'est chinois en face. Ah oui, non. Marcus, on pourra se faire des games en FFA si on est tous ensemble et qu'il y a des gens de ton niveau, mais là, je préfère pas qu'on parte en 4v4 avec toi parce que ça va pas être fun pour toi, hein, je t'assure. Tu vas te faire écraser. Enfin, en fait, le problème, c'est que si on rencontre des gens qui nous connaissent, ils vont te push. Et bah, tu vas te faire raser en premier et ça va pas être marrant. Parce qu'après, c'est 3v4. Et si c'est des gens qu'on ne connaît pas, si tu te... En fait, c'est toujours ça le problème, c'est que si le joueur qui est le moins expérimenté se fait push en premier, bah ça annule la game en fait. On est en 3v4 direct. C'est très très dur. Sachant que nous-mêmes, entre nous, quand on joue ensemble, on se fait push par les trois en même temps. On meurt souvent. Bon. Mais ouais. Encore un jeu Game Pass, sponso ou quoi? Ah bah oui, je suis sponso Game Pass, mais bon, ils sortent plein de bons jeux en fin d'année, donc j'ai pas rien moi. J'ai pas rien. Chiant d'avoir une bonne offre aussi. Là. Ils sont relous d'avoir un catalogue de maboule là. Ils sont relous là. Sans sou, tu veux qu'on en push un ou tu veux jouer def? J'ai bien envie de tester le BO push un peu. Vas-y, je suis chaud aussi. Le BO de Special Tactics? Yes. The White Run. Par contre, moi ce sera un push manatarm. Hein. Remake push? Remake push and we win. PC en WAB. Non mais 26 quoi. Tu te calmes. Oh, à l'aide. Quoi cette map? On est d'accord. Il y a où le bois? Le bois à l'eau? Ah putain, c'est... Ok. Je crois que c'est la map, si t'arrives à tuer le... C'est Rush, c'est Roi de la Colline. Oh yes, super, des stream snipers. Là où il va te dire non, stream snipe pas. Non, stream snipe pas. MDR. Non, comme qu'est-ce ça. Que tu dis, lol. Pas vraiment stream snipe pas. Je suis pas du tout au courant qu'on va push. Hein. C'est bon. Donc, il n'y a pas de bois. Une map de type dommage pour les Anglais. Incroyable. Et les Russes aussi, hein, parce que c'est... Apparemment, il n'y a pas de cap pour l'or collecté avec tes cabines, toi. Non. Ah, c'est débile, ça. Ça, je reconnais, c'est débile. Hein. Ça faut que ça change. Hein. C'est grave. Hein. Un peu fort. Hein. Ah, ouais, j'avoue que moi, mes spawns de ressources sont pas idéales. A tout, Linkus, des bisous. Chun Ari. Attention, il veut essayer de te tuer tes moutons. Hein? Ah, il me les a volés! Comment il te vole des moutons? J'aime pas que c'était possible en vrai. Ah, si tu les envoies loin de ton éclaireur. Oh là ouais, d'accord, ok, ouais. Donc c'est ce niveau de tryharder et de stream sniper, très bien. Non mais okay. C'est pas du stream snipe automatiquement, arrêtez de dire ça. Si c'est non snipe. Laisse-moi me donner une excuse, s'il te plaît. Non, t'es un gros sac, c'est tout, t'aurais pas dû t'approcher du forum, c'est surtout ça. Putain, on est si proche, au secours. So close, but yet so far. همی سازم.
Hop. Merci Akinspoon, salut salut. Parman. Hami Jumban. Parman Banda. Chu. Hami Ravan. Rustayan Arasta. Bahrekandan Hami Ravan. Ari. Chu Khort Hami Badi. Chu. Ari. J'aurais dû les poules hors de la nourriture plus tôt. C'est de la merde. Ah, le bug du villageois inactif alors qu'il l'est pas, insupportable. Ah oui, des fois il y a ça, ouais, c'est trop bizarre. Que fais-tu sur AOE? Des gaufres, ça se voit pas. Je fais rien du tout, mec. Tranquille, je regarde juste comment le jeu se joue. Rien du tout, mec. Ouais, à partir de maintenant, on va faire du bois. Du wab. Le bois sur ces cons là. Va bien se passer. Quelqu'un scout ce qu'ils font là ou on sait pas du tout? Non. Envoyer du scout. Ah, il y a qu'un seul lieu sacré. Ah, c'est l'arnaque pour moi, ça, je reconnais. Je reconnais ça, c'est la grosse arnaque pour moi. Vous voulez qu'on tienne le lieu sacré au milieu pour leur forcer une agression ou les jouer comment? Faire ça. Le problème, c'est que... En vrai, c'est la pire map pour Sultana. Le problème, c'est que regarde ici, moi je suis voisin. Ouais. Ouais, je pense que je vais plutôt rusher la tech, moi. C'est la dèche un peu là. C'est la crise. Les amis, c'est la crise. Allez, dis-moi, s'il vous plaît. Ah, moi, je suis à fond sur le bois depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, mais il est juste à côté de moi, l'autre, là. Ouais, attends, mais elle est trop bizarre cette map, j'avoue. Voisin avec tout le monde, donc c'est... Fais gaffe, Sansou, hein. Voilà, Sansou, fais gaffe. J'ai déjà attaqué. J'ai recherché. C'est de l'archer. Ok. J'ai recherché, mais c'est du manatarme, donc il me fait rien du tout. J'envoie 4 chevaliers.
Ouais, moi ça, c'est tranquille. Ou c'est chaud. Alors, il a déjà reculé parce qu'il a vu qu'avec deux salves, il m'a envoyé 10% HP, donc ça servait à rien. J'ai delay un peu mon château, moi. Et il a sa mine d'or ici. Là, il va falloir qu'on fasse des marchés. C'est pas en BO. Avec le peu de bois qu'on a, il faut qu'on fasse. Je vais tenter une petite agression sur le chinois si tu veux, Tite. Violet ? Je sais pas, le rouge. Vas-y, ouais, go. Bah, le rouge, c'est moi. Non, mais moi j'ai les couleurs uniquement rouge et noir. Ouais, moi aussi. Ping-moi celui que tu veux attaquer parce que. C'est lui qui est en face de toi. Ok, ok. Ah putain, y'a trop mal. Y'a lui là. Y'a l'autre là. Il est reparti. Il est juste venir dire. Genre... Ok, d'accord. Merci, trop mal. On fait quoi, on agresse? Avance. Il y a une tour. La contourner. Ouais, on la contourne. Ok, ouais. Full archer, full archer. Je vais dessus. Hein. Ok, d'accord. Le mec qui croit absolument tout le monde. Pourquoi ça se fait? Par contre, chill. Hein. Ça suffit de s'énerver. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Ah, un léger sentiment que le mec sait absolument tout ce qu'on fait en fait. C'est non, ça. Mais mec, c'est bon. Arrête. T'arranges juste con pour ça en fait, c'est tout. Recule. Il y a beaucoup, hein? Beaucoup, ouais. Au pire, on peut essayer de reprendre le niveau. Je pense que c'est une bonne option. فرمان بردارم مرخیش را مرین آری هم سوی بر اسب همی روم مرن آشکار ساخته همی گردم امر تام جویان فرمان همی رسد همی کنم پارتی un peu plus éco du coup همگی آماده باشید بلی. Ouais, je vais avoir un très très late. À mon avis, leur joueur d'élite fait pareil. Fais gaffe. Un marché dans le fond de la base. Un marché. Ouais, yes, sir. Il y a une caravane pour voir le trajet qu'il fait, histoire que. Ça nimpe. حاضرم اطاعت
Ah, ça commence à construire des murs. Hein. Quoi enfin, sur mon château. Ah oui, ouais. Ah, il va tuer les pions. Ouais, nickel, c'est bien ça. Ah, j'ai tellement trop de bois là. Pourtant, j'avais pas l'impression d'en demander tant. Ok, niveau technologique. Oh, il a pris cher, lui. Oh, ça fait du bélier. Oh, vas-y, il est en con, lui. Hein. C'est quoi les compos d'armée en face? Il a fou l'archer. On a l'arme. Archer, madame. Ah, je me fais full push. Je me fais full push de mon côté. J'arrive, mais bon, je suis loin quoi. Je suis à le bout de la map. Ok, les archers, j'ai à clic dessus, je les lâche pas. Et normalement, je vais les avoir puisque j'ai fait la tech comme quoi ils comprennent. Ça va aller, tu tiens? Moi, normalement, oui, c'est juste que bon, il m'a pas mal niqué l'écho. Ça fait chier, mais c'est ok, ça devrait tenir. Et j'ai ruiné l'écho d'un joueur aussi. Moi, j'ai tenu, hein. J'ai tenu, il m'a lâché. Ok, ça sort full piqué. Non. Putain, mon château. Et je l'ai pas envoyé. Ça va bien se passer sans souci. Ah mais ça me saoule, j'ai mis tous mes villageois qui devaient construire mon T3 dans mon groupe 1 et du coup ils sont partis au fond. Pathique ça. Quel dommage. Dommage, terrible, mesdames et messieurs. Il retente de capturer le site sacré. Moi je passe impérial. Passe impérial. Allez, ça y est, j'ai plus assez de bois maintenant. Tonton que je suis. Allez, je lance mon château, MDR. Ok, du cavalier ici. Ouais, j'intercepte. Je vais avoir un vrai soutien. Okay.
Ok. Ok, moi je suis bien là. J'ai commencé à prod sérieusement. Elle ramasse totalement. Ok. Géré. Toutes mes upgrades se finissent là. Je suis post-impérial là. En moins de 20 minutes, let's go. À quoi servent les deux forges? À ça. À envoyer les deux upgrades en même temps. Avec cette faction, c'est très fort. Je te fais une porte, hein, sans souffle. Let's go, le château sans sous. Trop fort en fait. Le gros connard. En fait. Seulement 19 minutes. C'est bien. C'est bien ça sans sous. Let's go, mec. J'ai honte. Tu me dégoûtes, c'était sans le mec. Je me dégoûte. En vrai, attends. Vous allez rally point ici et ensuite ici. T'es un peu au mid, si tu veux. Ouais. Ça va être compliqué là, moi. J'ai aucun income d'or. Allez. Let's go. Let's go. Ah mais j'en fais jamais des caravanes, c'est mon problème. On va se fight au mid. J'ai pas dû faire ça. Y'a un mur violet qui est en train de pop littéralement devant chez moi. Pas de problématique, mais bon. On est d'accord que c'est l'un de vous qui a pris une relique, hein, c'est pas moi. Oui. Je vais un peu avancer au mid là. Let's go, l'impérial. Je n'ai. Attends, mais
J'avais pas des. Il y a du nid d'abeille. J'ai juste pété les murailles qui me cassaient les couilles. Je vais m'occuper des espringales pour sniper les nids d'abeille. Il va vous convient. Moi je vais aller sur le sur l'anglais là. Mais je suis pas le dernier. J'ai le mec. Ça touche ton bon. Ouais, j'ai vu. Ils veulent faire une percée, je comprends pas trop c'est quoi leur plan là. Je suis en train de lui rentrer dans le front, moi, le... Zéro résistance, c'est trop bizarre. Je lui avais muté tout ce peu. Ah ouais, bah t'as... Ouais, là il est gratuit le mec. Hein. Moi ça arrive là chez moi. Beaucoup ? Non. Alors on va le sniper le joueur. Hein. T'as un loup qui te bouffe tes villageois ici, mon cher Sanso. Ah putain. Il y a un joueur qui a été éliminé en face. Ouais ouais. Attends, pardon, les canons peuvent monter sur les murs? Non. J'avais un canon qui était sur un mur il y a 12 secondes. Non, on venait faire, on peut pas, mais il y a un glitch où le canon était monté. Si, regarde, chez moi. Oula, il a plein d'éléphants. Escopetier, messieurs. Ouais, escopetier, je suis en train de voir. Non, t'inquiète, il est stop psychiatre. Ah, il avait muré ses villageois parce que j'allais attaquer en hors ligne. Ouais, ouais, c'est mignon. En vrai, pas si bête. Hein. Il est pas assez. Attends. Par contre, on va se faire claquer le cul avec ce qu'ils ont. Ils ont vraiment beaucoup. Hein. Ah oui, à ce point ? Bah, ils ont beaucoup d'éléphants. Ouais, c'est pas t'inquiète, il y a une armée de strepsi qui arrive. Ça va croustiller. En cas de mal de gorge, ça ira beaucoup mieux. Mais oui. Même pas, non, je bourre un peu mes oreilles. Les mots relatifs à la fortification sont blacklistés ? Comment ça ? Peut-être au blacklist, au backseat peut-être. Ok. Ils ont une belle... Ok, ils font du mur. Ah, c'est dommage. Ah, c'est très très cool. Ah, c'est très dommage pour eux ça. Je me sentirais un peu con à leur place. Mais là je vais tout perdre, moi je me rends. Tu vois bien là je vais tout perdre. Mais c'est pas ouais bien grave. Oui mais c'est pas grave. Chill hein.
Fais 8 des dégâts dans l'écho au pire. Je vais leur préparer un special tactics, c'est marrant. Voilà, un petit peu de bombarde, un petit peu de scopétier. Puis ça va être marrant quoi. On va rigoler quoi, on va s'amuser quoi. Ah, dommage. Bah, tu voulais pas prendre le truc au milieu, du coup ? Moi ? Ouais, j'envoie un prêtre pour le choper. Si, on peut. J'envoie un prêtre pour le choper. Non, c'est mieux moi. Income est mieux. Ok. Meilleur income. Allez, de l'escopétier jusqu'à plus soif, les amis. Vive les escopétiers. Ça va escopéter très fort. Moi, je fais des petits tours de guet histoire de voir un petit peu. Ils adorent ça. Et faire des petits tours à canon aussi, on va rigoler. Maldon tout ça les amis. Je me demande si un allié quitte la game et qu'il a construit des murs, tu peux lui détruire? Oui, il faut que tu fasses l'ordre d'attaquer. Ah ouais? Ok. Je me demandais si ça marchait. Un peu de chevalier pour tanker. Voilà, j'ai plus besoin de garder mes érudits dans les mosquées, donc ça dégage. En vrai, ça push chez Tite. On peut peut-être push d'un autre côté. Je pense que c'est. Ça push chez Tite ? Non, c'est moi qui push. Ah. Ok, Walter White. I am the one who push, quoi. Oh, allez, de la bombarde. Hein. When in doubt, more bombarde. Mon armée, c'est que des escopétiers et des bombardes. LOL. Ça va être funky. Ah non. Ah oui, j'avais dit qu'il ferait un truc rigolo. Faire un truc funky avec eux. Eux, je m'étais dit qu'il ferait une petite blague. Bon, putain, mais il a rien construit là-bas. Bon, vous êtes. Bon, moi. Allez, moi j'avance. Hein. Je vais leur bombarder la gueule. Pas tant que ça. Hein. Je vais leur expliquer quelle est ma philosophie de vie là. À base de poudre à canon. Oh, trop marrant, ils ont une allée des esprits ici. Ah, le joueur chinois, il a planqué une merveille là. Trop marrant en vrai. Planqué une merveille. Ah, un monument. De quoi? Un monument. Non, oui, pas une merveille, un monument. J'ai dit une merveille. Non, bon, désolé. Ah, c'est dommage le bois. Ah, c'est dommage, je suis chiant, je sais. Oh là, il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, l'autre con là? Oh là là, tous ces paysans. Mmh. Oh là là. Regarde le mal de gorge. Ah la vache.
fois pour le mal des gorges. Ah oui, non, oui, en effet. Ouais, mais tu les one-shot un par un, c'est dommage. Ah, c'est con, hein. Ça marche pas. Tu vois, c'est Eventis, tu stressais, t'étais en mode stream snipe, machin truc là. Ah, oh, ça me saoule quand les mecs sont en mode bonjour, on vous connaît. Bah oui, oui, je tout sais. Tout sur ce genre de jeu. Bah, ils sont sympathiques à la base. Oui, ils sont sympathiques. Mais c'est sûr que oui. Ouais, à tout moment, le mec il clique et il est en mode bon bah, c'est tout ce qu'on va faire. Ouais, du coup, je voulais faire un. En plus, regarde, push, quoi. Il est gentil dans le chat. Tenu. Mec, ils ont fait combien de marchés en bas, regardez. What the fuck? MDR. Mais oui, tu as raison, c'était overreact. Il y avait pas de malice. Pas de malice. Mais oui, Overwatch ça traumatise là-dessus. Hein. Ah bah un mec. Tu t'attends à ce que tout le monde soit un connard. J'en sais un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, mais complètement con, mais Oh, les éléphants qui disparaissent un par un. Oh, c'est beau. Ah, c'est quand même fort un peu, hein. Ah, en plus, t'as les Strelsi derrière. C'est... En fait, quand tu sais les contrées, hein, c'est de la merde. Hein. Oh la vache, enfin, les cavaliers. Ah, ils ont essayé. Hein. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, ils sont très rapides. Les cavaliers, c'est vrai qu'ils sont très rapides, en effet. La vanne marche. La vanne marche, j'ai la ref. Renouille, je l'ai. Trêve de boomer, toujours un plaisir. elles sont où, c'est... Ah, le dôme de la foi. On va voir si vous avez encore la foi après ça, là. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le zbeul hein, chez cette adversaire. Ah oui, d'accord, non, on est tous là en plus, le pauvre. Bah oui, là, c'est vraiment bonjour à tous. Il y a des éléphants derrière. Putain, le pauvre. Oh, les pauvres éléphants, ça me fait de la peine. Ah, il a fait le palais de sultan. Comment ça, il est level 50, il a fait le palais de sultan. Alors, vraiment, ça me dégoûte. C'est quoi le palais du sultan? Attendez, il faut que je fasse une conversion avant la fin. Je vais convertir ce payon. Non! Eventis! T'as le con! Ah, pardon, j'ai pas maîtrisé. J'étais pas en train de micro mes unités. Putain, ils ont vraiment rushé le paysan pour le buter au moment où j'ai cliqué dessus, quoi. En mode, ne laissez pas le rejoindre! Ne laissez pas ce villageois indien devenir indien! Genre. Ah, il y a la maison du savoir aussi. Il va changer de caste. Putain, je m'attendais à une game pas facile, en effet, aussi, un peu, mais. Au final, c'était gratuit. Eh bien, GG à vous, messieurs. Bah, belle partie. Il y avait un petit push au début de notre côté, mais les hommes d'armes ont découragé le push. C'est resté très calme, moi. Vous ah, avez, t'étais au milieu de nous deux, non? Non, j'étais non, en haut. C'est moi qui étais au milieu. Ah, mais Sansou a bolossé le mec qui était à côté de moi. Du coup, il est resté tranquille et j'ai pu tech, quoi. À moins de 20 minutes, j'avais toutes mes recherches. J'avais toutes mes techs de fait. Et encore, j'ai pas fait les recherches de l'université. J'aurais pu le faire. C'est rigolo. Mais en fait, personne n'a fait tant d'unités que ça. En fait, au début, j'en ai fait pas mal. Et j'en ai fait pas mal pour parce qu'en cas d'une agression. Mais en fait, j'étais tellement loin d'Eventis. Quand j'ai vu que ça attaquait Eventis, j'étais en mode... Oh, j'étais en mode, oh, le temps que j'arrive, il sera rasé, ça saoule. Non, ça allait. Parce qu'en soi, j'étais quand même resté sur mon optique de push early. Mais du coup, j'osais pas le faire parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, je vais sortir un truc et le mec, il va sortir le compte parfait. Surtout que... Ouais. À chaque fois que je bougeais, le mec, il avait déjà placé ses archers là où j'arrivais. J'étais en mode, et si, alors si, à mon avis, c'était full chat, hein. Mais dans ma tête, c'était en mode, ok, bon, le mec, il entend ce qu'on dit, il voit ce qu'on fait, ça me saoulait. Non, mais te dis pas, mais en fait, n'en parle même pas en stream, parce que ça attire les, enfin, les gens, ça leur donne envie, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que les agressions en early des archers anglais, moi, ça me terrifie. Voilà. Ah, c'est horrible. Genre, je trouve que ça fait tellement de dégâts, c'est trop dur. Bah là, je voulais tester un push Manatarm, mais j'ai pas osé le faire. Manatarm, c'est fort.
Manaterm, bah, j'ai vu que le mec, littéralement, il avait genre, je sais pas, 10 archers. 10 archers, il tirait dans un bonhomme. Le bonhomme était en mode, ok frérot. Ah, mais c'est pour ça, le Manaterm. Moi, je trouve que en fait, toutes les factions qui ont accès à des unités un peu fortes d'elfes féodales, ça leur donne quand même un bel avantage en early. Hein. Parce ça reste très dur de push au Manaterm. Hein. Parce que on a essayé avec Sansou. Bah, le problème, c'est que le Manaterm, avec des archers, il te kite. Même si tu prends pas de dégâts, il te kite. Et donc, dans tous les cas, bah, tu vas en perdre. Bah ouais, mais c'est pareil que si t'avais un bélier, en fait. Enfin, en vrai, oui, le bélier remplit un peu ce rôle. Le bélier, non. Le bélier, c'est différent parce que si tu fais qu'un push bélier, voilà, t'envoies tes péons dessus, le machin, il brûle. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il a des archers... Non, mais s'il a des archers, le bélier pose déjà ce problème. Oui, c'est vrai. Il n'arrive pas à le tuer. Donc en vrai, c'est vrai que le Manaterm, c'est peut-être redondant contre un mec qui fait des archers. Mais le truc, c'est qu'en fait, en early game, le gars, il fait des Manaterms. Toi, t'es genre Deli, tu fais quoi? Tu lui envoies des cailloux? C'est là où je trouve que vraiment, les tirailleurs d'AO2 manquent. Mais les tirailleurs, ils font 0 dégâts contre les Manaterms aussi, mec. Non, mais contre les archers. Oui, oui, c'est vrai que l'archer, il peut être problématique. Ouais. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le counter aux archers anglais en early game, même avec des cavaliers, t'y arrives pas. Ouais. Si, t'y arrives. Si, mais faut... Ouais, putain, mec, faut sortir un early push all-in. Non, mais en fait, faut le scout très tôt. Faut le scout très tôt, et surtout, faut... En fait, ce qui est trop dur, et moi, je suis d'accord avec toi que c'est trop fort, c'est quand il transite sur l'ancien. En fait, s'il a fait full archer comme un bœuf, et que toi... t'as fait cavalier et que t'arrives un peu à le repousser et que le mec revient et qu'il a un mix archer lancier, bah c'est perdu en fait. Ouais, si toi t'es resté sur cavalier, c'est juste perdu en fait. C'est horrible. Donc ouais, là-dessus c'est vraiment pas évident, je trouve. C'est pas évident du tout. T'en penses quoi de la map forêt noire? Bah c'est nul hein. Forêt noire, c'est vraiment pas une map de ouf. Hein. Oh, c'est les hauteurs mongoles des enfers, ça. Yes. C'est le défilé. J'aime bien celle-là parce que je la trouve facile à wall si t'as bien scout. Ouais, mais ouais, je sais pas. Moi j'aime pas le côté trop sinueux. Je comprends rien à la map en fait. Oui, non, mais c'est sûr, c'est le jeu d'anticiper le counter. Mais le problème, c'est que, ok, le mec il t'a push archer, toi t'as fait cavalier. Il transit sur piquier, t'es pas au courant de ça pendant qu'il t'attaque. Il arrive chez toi. Il a une belle masse mi-archer, mi-lancier. Et toi, t'as que des cavaliers. Qu'est-ce que tu fous, en fait? Comment tu fais, en fait? Comment t'es censé faire? T'es pas censé savoir le timing auquel il va faire ça, parce que ça se trouve, il aurait pu juste faire plus d'archers, et tu le saurais pas, parce que toi, Trinité de l'enfer. Ouais. Là, ouais. C'est vraiment la sainte trinité de l'enfer, clairement. Oh, mais ça va le faire. Lord of Salt, il s'appelle, lui. Bah, on va faire en sorte qu'il porte bien son nom. Objectif, le faire rager dans le chat. le truc des archers anglais contre la cave. Oh non, mais les anglais, c'est vraiment fort en early. Hein. Les anglais, c'est problématique, je suis d'accord. Moi, ça me fait câbler les push archer bélier en early. Hein. C'est... T'as vraiment l'impression que c'est unfair, en fait. Genre, t'as l'impression d'avoir très peu d'arguments face à ça. C'est très, très dur. Tu peux faire un mix cavalier homme d'armes contre les archers? Ouais, bonjour à tous. Je joue d'élite, je n'ai pas les hommes d'armes. Qu'est-ce que je fais? Je quitte la game du coup. Mais même un mix. Je suis d'accord. Hein. Arme, là par contre, ça coûte tellement cher. Non, ça répartit hors bouffe et bois. Hein. Cavalier, c'est bois et nourriture. Non, mais oui, cave, archer et défense avec des tours. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est quand même très très dur. C'est beaucoup plus dur à défendre qu'à exécuter, ça c'est sûr. Oh non, oh, c'est le malaise là. Ah merde. Balai. Okay. Start un peu bizarre, mais je réussis. Hop.
Et oui, H2, t'as rien. En fait, certaines cives en H2, t'as très très peu d'arguments. C'est très dur. Tu vois, typiquement, les hommes d'armes féodales, bah, typiquement, quand Mana t'avait push, c'est ce qui t'avait sauvé dans votre 1v1. Oui, oui, oui. Sans hommes d'armes, c'était perdu. Ça, là-dessus, c'était juste a lose. Oh, Rabban. Un point à wall ici. Oh, les moutons au milieu. Oh la vache. Oh mais c'est putain, tout ce qu'il y a. J'ai trouvé ça tout ça au milieu. Oh, tu t'es mis trop bien, mec. Vas-y, je suis au milieu aussi. Vas-y, viens. Il y a un filon. Encore plein, regarde. Il y a un filon autour de la pierre. Oui, regarde tout ce qu'il y a. Mais what? Ah ouais, c'est abusé. Attends, descends. Vas-y, je te laisse. Moi, je vais vous en ramener, de toute façon. Je bouffe pas de moutons, moi. Ah bah, ramène-les à 100 sous, hein. Ah, regarde, il y a le mongol, il a tout volé. Salaud. Empoiré de mongol. Rends les moutons, bâtard. Ah j'avoue, oh, ah ouais, le nombre de moutons, MDR. Ah mais cette map c'est n'importe quoi. C'est débile hein. Bah c'est le mongol qui t'attaque. Non c'est un loup. Ah ça va. Je chasse. C'est ma religion qui l'impose. Passage ici à Wall. Et après, on a l'air d'être tranquille, j'ai l'impression. Ah, j'ai trouvé un comptoir. Vous avez pas vu les sites sacrés plutôt là? Ah, nice. Et là, j'en reviens dans ce spot là à l'instant. Putain, par contre, il est... Donc l'autre est là-bas. Hami-jomban. Le nombre de moutons que t'as occupé, mec. Bonjour, je passe avec la bergerie. Hein. Marc, toi aussi, t'es pas mal. T'en as aussi beaucoup, Sansou? J'en ai pas mal, ouais. Oh, ouais, j'en trouve d'autres en plus. On est pas bon vrai d'être passé féodal. Non, j'ai un coup passé late. Je suis en train de farmer la pierre pour justement aller wall d'amont. J'ai 25 moutons. J'en ai 28. La bûche. Je te les ramène sans sou. Il y a le can qui m'en met. C'est chiant, leur lieu sacré il est plus proche que le nôtre. Non, nous normalement on en a un là. Ouais, mais du coup je vais. Ah, il va me sniper un mouton de là. Oh putain. Oui.
Allez quoi. Ah vraiment là. C'est bon, ça arrive. Faut trop de monde ici. Quoi? Oh le casse-couille. Oh ah, tu souffles hein. Les, vraiment les joueurs mongols vous rendez faible hein. Ah vous rendez extrêmement faible avec votre stat trop forte hein. Tu peux venir taper le can avec moi s'il te plaît? J'arrive. Ok c'est bon. Saoul d'être sur playblock comme ça là, ça me saoule. Pensez à wall vos accès, hein. On a juste 3 accès à wall et on s'empêche, on s'évite le push. آماده بشنوی اخوان همی انجامم آری نیزه همی جنبن ولی همگی آماده باشید ولی ما روز باید انبارم آیید روستاییان آن به ساخته خواهد شد من شما را چه نیاز بود. Ils vont bientôt avoir tout récolté. Okay. J'ai pas assez scout là où je suis. Hein. Alors pourquoi je fais ça chat là? C'est pour pas que ça les alerte au moment où je capture le site sacré. J'ai oublié de prod des érudits. La merde. Il m'a bien scouté le joueur là. Ah non. Dégage. Bon merde. Est-ce que tu peux, si t'as des forces militaires, est-ce que tu peux les emmener là sans sous? Je vais wall empire pour toi. Et il faut protéger mon paysan. J'ai zéro. Je suis okay. Full écho là. Ok ok bon j'espère. Ah il y a déjà un wall de leur part. Oui ils ont fait un wall en bas. Je l'ai senti. Peut-être me wall aussi moi là. J'avoue que ça devient dangereux là. Non mais continue de construire toi, putain il faut rien lui. J'ai un marché dans ma backline. Quelqu'un a un marché? Ouais, je suis en train de le faire maintenant là. Pas ici. Marche. Ouais, j'ai fait de la merde hein, là. Ah, pas du tout me. C'est 62 bouffes quand même à piquer. Alors, si j'arrive à tout wall, normalement on est wall de partout en pierre et donc on est assuré de pas se faire rush. Il y a une zone que j'ai pas scout chez moi qui est dangereuse. Donc, Normalement j'ai scout tous les points d'accès.
Tous les points d'accès d'eau. Alors à moins que j'en ai loupé un au nord, mais j'en ai pas vu. Je vais retirer mes mecs à la gold là. That's enough of that. Et là, il me faut plus de monde. Ah oui, du coup, on a tous les lieux sacrés MDR. Ça va falloir sortir les doigts, les mecs. Hein. C'est mon érudit qui fait tout le tour de la map là, il se balade. On est muré nous de notre côté. Excellent. Essayez de push impérial direct. Putain, en plus pour venir nous chercher le... Ok, ils ont fait pas mal de cavaliers. Ils vont prendre le site sacré en bas. Tant pis, non. Ah bah oui, là on a pas trop le choix de... que de tant pis là. Profite un peu de l'income d'or gratos là, mais puis. Puis on va dire au revoir à tout ça là. Ouais, c'est bien, ça nous permet de scout ce qu'ils ont. Ça vous dérange pas, je prends vos baies, hein, parce que moi les baies c'est la vie. Non, non, vas-y, moi j'en prends pas du tout. Avec, avec les moutons qu'on a là. On va pas faire la fine bouche. Hein. Ah non. Il a bien faux ton prêt. C'était tes deux bonhommes là, tu peux les faire passer. Hein, qui sont ceux qui sont de l'autre côté. Ah ouais? Comment? Ouais, ouais. J'ai fait une porte là. Ah là-bas. En vrai, je crois que je vais essayer d'aller titiller leur... leur relique. Je leur taxe une relique avant vrai, de partir. En vrai, je suis trop chaud que t'ailles choper... faire un petit push là-bas pour aller choper les trois. En vrai, j'envoie déjà un prêtre pour essayer d'en ninja une. Ok, ils m'ont pris mon lieu sacré en bas. Ah mais je peux passer à l'âge... Push impérial, non. Putain mais ça fait une heure que je peux passer au château, j'avais même pas grillé. Quel abruti. Ils ont beaucoup d'archers, fantassins arquelons en bas. Oh bah ouais, hein. Moi quand je vais passer château, je leur taxe une relique. Hein. Putain, c'est chiant, j'ai les alertes d'attaque tout le temps là, c'est fatigant. En fait, limite, mec, je vais te déposer les reliques devant ta porte et je vais lui taxer toutes celles qu'il y a chez lui. Je suis en train d'envoyer mes bonhommes là. Ah, tu prends celle-là, ok, je vais chercher une plus loin. Oh, mec, tu sais quoi, regarde, je vais tenter un groupe. C'est très ballsy, mais bon. Il y a un monde où ça passe. Ça va être très drôle. Ah merde, attends, je viens d'envoyer un... Ouais. Attends. Ouais.
mon fils, Bosch. J'ai pas envoyé genre un prêtre là quelque part. Oh bah tiens, on va passer impérial direct. Mec, je suis en train de ninja quand même une relique chez lui là quand même. Est-ce que je fais un wololo de ces paysans qui ferment de la gold? Très bonne idée ça. Le problème c'est qu'il va spot que j'ai la relique. Je te dépose la relique de dehors mec. À l'intérieur, pose-moi dans l'enceinte. Ici là. Non, en vrai, je vais pas tenter le wololo. Et grid. Pour 3 paysans, c'est trop grid. Ah, ouais, bon, tant pis. Ça me fume cette chasse aux reliques. Ah, par contre, c'est mon taux de recherche, il a chié là, ça va pas. Le loup qui est en train de niaquer le cul là, ici, il y a quelqu'un qui peut me gérer, s'il vous plaît. Je sais pas, mec, attends. Il est où? Alors, fromage, mais j'ai personne. Pas d'armée. Ouais, j'arrive, moi. Ah, si, j'ai. Si tu le rapproches de la palissade, je pourrais t'aider. Quoi que non, il va faire le tour. J'arrive. Putain, c'est ça, le mec est château, quoi. Waouh! Pardon. Je reconnais ça, c'est de la condescendance ça. Autant pour moi. Quel bâtard. Allô. Mais là, ils se rendent pas compte là, ils sont en train de signer un arrêt de mort en nous laissant jouer là. Hein. En fait, là, littéralement, je crois que on va avoir toutes les reliques du jeu là, on est d'accord. Un 3 villageois là. Pas mal. Je vais te chercher une autre relique là. Bah écoute, moi depuis tout à l'heure c'est le marché donc vas-y go. T'as combien de reliques au total? Là pour le moment j'en ai 5. C'est débile. J'ai cherché celle qui la dernière qu'on voit chez eux. Combien de reliques par map? Ah, bonne question, ça en 3v3 je me demande. Ça sert à quoi de construire autant? C'est pour pouvoir produire des unités plus vite. Très important. En vrai, là, non, on n'a pas besoin. Attends, mais j'ai l'impression que j'ai fait des mosquées. Ah, mais oui. Ah, mais je suis toujours supply block, là. Mec, je vais avoir tellement de reliques, il va falloir que je me fasse un autre monastère. J'ai jamais fait ça. Je suis perdu. Mon BO, il est... Bonjour cassé. À tous, l'abus. Ah non, c'est vrai que je peux les foutre dans mes châteaux. Je vais faire ça. Attends, laisse, je vais la choper la relique là-bas. C'est bon. Ah, remarque, tous les tiens, ils courent vite. Ouais, moi, c'est des tchads, ils sprint. Putain, le combat de ouf. C'est le premier qui capture toutes les reliques à gagner quoi. Bah avant c'était une condition de victoire. Hein. Bah je sais. Ouais, je viens de finir même tous les moutons. Comment ça spammer les châteaux? Oh bah ça m'attaque. Oh bah ils m'ont tué mon moine. Oh je suis déçu. Hein. Ouais mais le mien, ah ouais, le mien c'est Usain Bolt. Regardez-le, il tape son meilleur 100 mètres. Toutes les reliques sont nôtres. Les textes sacrés. Attendez, parce que là, bon, niveau gold, on est d'accord qu'on va être pas mal dans cette game. Là, oui. Bon. Sur une optique, Bon, on va faire un truc rigolo alors. Faire un truc marrant. Où j'ai envie d'attaquer un là sur cette game.
Plutôt plaise, mais... Hyper plaise, là, mec, ça va être marrant. Ah, j'ai 50 personnes qui collectent... quand même beaucoup, ça. Allez, 101 unités économiques, ça devrait suffire. Ah, je suis à 104. Je vais peut-être me calmer aussi. Ouais, en vrai, c'est un chiffre même pas si haut que ça. Hein. Non, non. Ils viennent de Digne Impérial, les mecs, c'est perdu. Putain, merde. Oh les gars, je suis en train d'aller chercher ma 8ème relique, là, je me suis jamais senti aussi bien, là. On est vraiment des connards, c'est vraiment... Parce que là, vraiment, on aurait pu finir la game il y a 1000 ans. Hein. Pour encore plus s'abuser niveau des reliques, il y en a encore une au niveau du château à la rivière sud. Ah ouais, j'avoue. Oh oui, non, mais j'y vais direct. Où ça? Ah oui. Oh, je vais la chercher, je suis un crack. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bon, par contre, il faut il faut faire un grand tour. T'inquiète, c'est mon Chad, Usain Bolt. Usain Bolt. T'inquiète, regarde comme il sprint, regarde comme c'est un rapide. Regarde, il est full d'éther. Oh là, j'entends. Putain, j'entends les... J'ai vu l'armée derrière moi, au secours. Oh là là, oh là là, les amis. Mec, tu sors tes fusils, là, tu tues toute la cavalerie. Allez, vas-y, sprint. Ça, c'est en plus, les villageois, ça... Les villageois s'excitent, là. Par pitié qu'il n'ait pas un canon qui one-shot mon moine. Vas-y, Usain. Vas-y, mec. Vas-y. Let's go. Il l'a eu. Il l'a eu. Maintenant, le move risque d'être... Ah, mais c'est bon, en fait. C'est génial. Ah oui, la cover des Strelsi, incroyable. Une grosse charge de cavalerie. Spoiler alert, ça ne va pas marcher. Ah oui, faut finir avant qu'ils finissent le mur. Faut les empêcher de finir le mur. C'est bon. Bravo. Escorte de Peyou. Merci, c'est beau. C'est magnifique ce que tu as fait, mec. J'espère que t'es fier. Ah, je suis... Mec, t'imagines même pas ce sentiment de fierté. Ah. Attends, donc là, on est en train de dire que je vais vraiment avoir 9 reliques qui vont fonctionner. Hein. Écoute, ça paraît être... Ça a l'air d'être le plan. Ça me convient, les gars. Vraiment, là, je me sens bien. Je suis en train de faire une strat. Je participerai pas à la guerre avec vous, mais juste, je serai un connard. Comment ça, je participerai pas à la guerre avec vous? Non, mais attendez. Comment ça? Ah mais je voulais savoir du fun en fait, c'est ça. Le fun et la vitesse d'abord, c'est ça? Tout à fait. Bien sûr. Bon, moi messieurs, je vais jouer mecha sur cette game. Alors est-ce que juste vous pouvez me laisser un petit plaisir et les laisser venir à la rivière s'il vous plaît? Non. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on laisse à Eventy sur cette game, trop. Je trouve aussi. C'est vrai. Il a beaucoup de demandes en fait, je trouve. Ouais. Non mais c'est surtout ça. Non mais en vrai, je comprends. Y a pas de souci. T'as combien de reliques? Surtout que t'as pas ramassé toutes les reliques, mec. Bon, vas-y, je vais l'emmener chez toi parce que t'es fait marre. Vas-y. Ping-moi où est-ce que je dois la mettre? Un des monastères là-haut là. Mais en vrai, je vais la chercher. T'inquiète. Non, mais je cours plus vite, mec. T'inquiète. Ah, c'est gentil. Vraiment, c'est il sprint. En plus, il s'en bat les couilles la relique. Il la transporte. Elle est tête en bas. Aucun respect pour les textes sacrés. Ça me fume. Ça gueule. Pourquoi qu'ils gueulent? Moi, j'ai toujours des troupes chez eux. Hein. C'est, franchement, c'est chill hein, cette game. Moi, j'ai limite envie qu'on fasse victoire très, économique. Très la game la plus chill que j'ai faite. Hein. Super grave. Ah oh. Oh, ils ont des trébuchés, les amis. Oh, c'est putain, pas très sympathique, marrant, ça, en fait. Par contre. C'est pas très Charlie, ça, non. Pas très cool. Donc c'est ça que ça fait quand tu laisses des bons joueurs se développer sans trop les saouler. Entre autres, oui. Attendez, j'ai la flotte allemande qui va... Tu vas vraiment faire des bateaux, mais putain, mais vraiment, hein. J'ai full carac. Carac. Bon, je vais chercher l'autre finalement. Ouais, mec, fait. Ouais, je vais essayer de one shot le. Alors, spoiler arrière, les caracs dans une rivière, c'est pas ouf en termes de mobilité. Hein. Oh shit. C'est en mode pardon, excusez-moi, pardon. C'est un peu ça, ouais.
Bonjour à tous. Ce Sato va tomber, il me gêne. Je suis peut-être en train de perdre. J'ai bouffé toutes les baies de la région. Il a fait tellement de bateaux, ce débile. Il est crevant. T'as pas pris ma relique, mec, tu dégoûtes, mais tranquille. Attends, j'arrive. Elle est où? Je la reprends, je la confisque. Non, elle est là. Merci beaucoup. Tu vas voir un haut fait, non? Un truc comme ça. Je sais pas, j'ai 9 reliques, c'est bon. Il m'attaque avec un trébuchet, mais bombarde, mais. Il est chié, lui, quand même. Oh! Ah non, merde, c'est... je voyais un bonhomme rouge, je me disais, oh, c'est trop bien, c'est un ennemi, ça. Bon, je vais faire quelques trébuchets. Maintenant la question est, ça reste un peu malaise. Ah bah oui, il peut pas passer. Ah oui. Mais oui mec, c'est... Mais il y a des tours. Oui. C'est con malaise, ça quand même. Un peu malaise. On va annuler la production de bateaux. Mais enfin, bro, tu es cringe. On a assez de bateaux, je pense. Tes murs m'empêchent de tirer sur l'autre. Sur les bleus rampes. Ça saoule, mec. Ah, tu veux que je le détruise? Non, pas tout de suite, parce que s'il me rush, je vais être comme un con. Hein. Mais t'as fait de l'armée, Ventis, à part faire le mariole avec tes... En vrai, frérot? Non. Mec, attends, regarde. Je t'amène mon armée, hein. Elle est là. Regarde. Moi, je fais 1 million de trébuchets, à peu près. Genre, je fais une masse critique de trébuchets qui n'a aucun sens. Ça va être la game de l'expérience. Oui, je teste des trucs. On va faire des recherches de bateaux, hein. Augmente la mur de tour. Ouais, ça fait... La portée... Bon, par contre, ton mur... Ton mur... Attends, je le pète, dis-moi. Non, j'ai rien dit. Non, tu pètes pas ton mur. Quelqu'un a besoin de nourriture? Ok, elle veut pas tout ça. Ouais, t'as beaucoup. Hein. Ah ouais, nourriture, ouais, de ouf. Ouais, non, c'est non. Pas les couilles. Mec, même mes reliques produisent de la pierre, du bois et de la bouche, donc c'est bon. Il est temps de faire sortir les érudits pour qu'ils aillent booster la production, là. Sortez de là, bande de toto, là. Quoi, cette game? Mec, cette game, elle a pas de sens. Ah, mais j'ai des ateliers ici aussi. Attends, où est-ce qu'ils sont, mes derniers érudits là? À l'aide. Oh, je... Mais en fait, ma question c'est, ils attendent quoi là en face? Bah, je sais pas trop, mec, c'est un peu chelou. Oh, hein. Je pense que si on attend encore plus, on peut se les faire. J'arrive à leur sniper les trébuchets avec mes trébuchets. Oh, ah, attends, non. Bouge pas. Attends, regardez, on va faire une expérience. Qu'est-ce qui se passe si les unités tombent du mur? Trop jolie la petite. Non, oh. Ça fait rien. Elle tombe juste du mur, mec. Oh, putain, il est en train de modifier ma couronne. Non, c'est bon, c'était pour tester, t'inquiète. Le déteste. Ça va. Ça va. Tu peux faire une porte dans ce mur, mec, avant que je pète un câble? Ouais, y'a pas de problème, frérot. Ne le détruis pas, par contre. Nique-toi, tu casses les couilles, tu fais trop chier, mec. C'est tellement prévisible, en plus. J'étais sûr que t'allais faire ça, espèce de gros trou du cul. Il me fait chier, ce mec. Bon, c'est génial. C'est génial, les amis. Putain, mais ils minent toute la gold, eux, là. Vas-y, on rentre. Rentrez, vous avez de l'armée avec moi, là, ou genre R? Ouais, j'arrive, j'emmène mon armée. Ah, ça sonne le R, ça. Parce que là, mec, non, mais je vais me suicider si j'avance. Vas-y, j'arrive, je vais te soutenir. Ah, c'est gentil. Moi aussi, je te soutiens. Il faut soutenir le corps d'artillerie de New Delhi. Là, c'est New Delhi, hein, c'est pas Delhi. Il faut soutenir le corps d'artillerie. Et l'armée Bollywood, quoi. L'armée Bollywood, bah là, c'est plus. Attends, non, en vrai, les gars, j'ai trouvé une bonne idée. J'ai une bonne idée. Attendez, n'y allez pas. Ça sonne fou. Non, vraiment. Regardez, pourquoi ça sonne mal quand il dit ça? Je fais une merveille, et au moment où on est sur le point de gagner, on la détruit. Comme ça, ils vont nous push. Attends, ouais, garde tes bateaux ici, on va le bait. Et c'est oui, tes bateaux, oui. Les bateaux, bateaux vont me défendre. C'est en gros, on les force pour venir ici. Ah, bonjour.
Vite, aidez-moi. On va s'aider nous-mêmes. Oh putain, les cavaliers, ils sont à la fâche. Oh merde. Oh non, ton dos. Oh mais papa. Oh non, oh, Yamas. On les a sous-estimés, les amis. Ah, ça fait beaucoup, beaucoup quand même, là. Oh la vache. Oh les hommes d'armes, ils se font défoncer. Ah oui, c'est... Bon, après, on a une masse de critiques de Strelcy, donc ça ne change pas grand-chose, les amis. Ah, en vrai, j'en ai perdu. Adieu les trébuchés, c'était sympa. Spoiler alerte, ça va être... Bon là, les amis, ça va être un peu rude pour eux, je pense. J'ai 33 000 de bouffe, hein. Vraiment, si vous avez besoin, vous me dites. T'inquiète. On était sérieux. Putain. Et elle je la ta... détruis, tranquille. Elle est où ta merveille? J'ai un misou? Elle est en plein milieu, littéralement c'est en mode venez, hein. Elle est là. Putain. Mais elle est trop moche la merveille de... Elle est pas du tout impressionnante, on dirait juste un forum fortifié. Alors, eh frérot, la première fois que tu l'as vu, elle est en mode, ouais, elle est trop belle, et maintenant elle est trop moche. Non, en fait, savoir, après avoir vu les autres, je la trouve éclatée. Savais ce que c'est pour elle. C'est juste jaloux. Non, pas du tout, je la trouve éclatée. Quand je compare à la belle statue du crâne, franchement. Bon, et bien, les amis, là, c'est à dire qu'on est en train de les meuler. Ah, oh bah non, mais y allez pas maintenant. Non, mais là, mec, ça sert à rien. Les mecs ont perdu. Merveille. La merveille, la merveille. Ouais, 10 trébuchés, ça clean, hein. Ça clean de très loin. Hein. Oh, t'as mec, combien d'or, Eventis? L'or, en vrai, bah là, j'ai tout claqué, mais j'ai une income de 3000. Eventis? En vrai, moi, j'ai bien de l'or. J'ai pas fait de marché dans cette game. Je viens de réaliser que j'ai pas de marché, putain, quel bouffon. En vrai, si vous voulez donner des ressources, je suis preneur. Alors attends. Hop. Mais putain, mais ils continuent de construire et tout. Mais enfin. En vrai, ils ont beaucoup d'artillerie. Ah bon? Genre, les Strelcy, ils sont en train de fouiller. C'est parce que vous êtes éloigné de la côte, ça. Les bateaux, ils peuvent plus rien faire. Y a plus la couverture de la Navy. Exactement. J'ai tout perdu. Ah ouais, putain. Tu feras gaffe, j'ai une date ici. Ah ouais, mais en même temps, ils vont pas. Ah ouais, y'a beaucoup d'artillerie, Oli. Ah bah, ils font comme nous. Ah bah, ils... ah ouais, en effet. Ouais, bon courage. Hein. Dayo. Adieu. Bon. Bombarde. Bon, eh, vous savez quoi, on va faire de la place. On va faire un peu de place. Oh, y'a un gros coup de château. Ouais. Allez, on fait de la place. Tout va disparaître. Alors ça, par contre, c'est ça là, ce qui se passe ici, c'est des... Ça, faut qu'ils corrigent. Le fait que je puisse sniper les châteaux d'ici... Ah oui. Ah oui, les boulets ils font pouip, c'est chaud. Ouais. C'est vrai que ça a pas trop de sens. Ça.
Adieu le moulin. Le moulin. Yeet. Psyche. Violence. Le moulin a été Totalitus Yeetus Expelliarmus. C'est un beau défaçage. Ah oui, là on est en train de leur apporter les burgers indiens. Par le pouvoir de l'artillerie. Ce qui est bien, c'est qu'avec les lignes de trébuchet, ça tient pas très longtemps, les... Tout, en fait. En fait, tout, ouais. Tout tient pas très longtemps. Non, mais par contre, la vitesse des espringales, ça me fait délirer. Hein. C'est vraiment une voiture, le truc. Bon, monsieur l'anglais, là. Ça se passe contre leur artillerie, vous les avez battus? Oui. Bah, là, on avance, hein. Bien joué. Bon, je pense. Là, c'est l'autoroute du plaisir. Autoroute de l'amour. L'amour. Yeet. Psyche. Putain, vraiment. Il a capitulé, mesdames et messieurs. Ah, c'est pas le... Ah, c'est Lord of Souls que je suis en train de meuler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il... Je pense que son nom va être bien porté, en effet. On l'aura pas fait un headshot. Non, bah, en vrai... ça nous est déjà arrivé de nous faire laver le cul comme ça aussi. Hein. Ça arrive. Après, ils ont pas été agressifs. Nous, on... Ouais, mais t'es pas agressif avec moi. T'es gentil avec moi, quoi. Il est où le dernier? Bah, je suis sur lui. Du côté d'après. Il est vraiment en full méta. Ah, mais je suis trop con. Les menaçants ont pu mettre 20 reliques dedans. Oui. On sait que c'était que 3. Mais. Bon, mais par contre, il continue de prod des deux côtés, c'est extrêmement énervant. Faut arrêter, monsieur. Là, ils ont capitulé. Non, moi, le Lord of Souls, il est toujours dedans. Ah, il vient de quitter. C'est bon. Éliminé. Bien joué, messieurs. Bien joué à vous. Les trébuchets, c'est vrai que c'est bien parce que le problème des bombardes, en fait, c'est que souvent, quand t'as pas la line of sight, tu galères. Alors que les trébuchets, tu peux vraiment mettre la pression d'où tu veux. Ça, c'est bien. Sauf quand c'est des bâtiments en haut d'une montagne. Oui, mais tu vois, les genre par exemple. Pas de problème. Par exemple, quand il y a des murs et tout, là, tu vois la situation dans laquelle on était au niveau du fleuve, c'était beaucoup mieux d'avoir des trébuchets pour moi que des bombardes parce que je pouvais pas tirer au-dessus de tes murs. Donc, ouais. Ça se répare les trébuchets. Ouais. Le score, je sais pas du tout ce qui détermine le score, mais genre j'étais tellement haut alors attends, que j'ai regardé. Genre, par rapport à vous, j'ai rien fait. La quantité d'or d'Eventis. Bonjour à tous. Moi c'est la nourriture. Moi c'est la nourriture qui était débile. Moi j'avais une prod de bouffe qui était insane. Je prenais toutes les baies de la zone. J'ai pris toutes les baies de la map. Je faisais de la confiture en boucle. Je faisais que ça. Bon par contre j'ai pas eu l'impression de jouer vraiment une game là. C'était un peu. Ouais. C'est un peu autoroute quoi. Vous voulez en refaire une dernière? Moi non. Parce qu'il faut que je finisse des trucs. Ok. Mais du coup, je vous laisse jouer. Petite 2v2 sans sous là? Vas-y. Allez. Putain, sans sous qui est chaud pour du late night AOE, ça fait du bien quand même. Et c'est fou. C'est la maîtrise russe ton portrait? Ouais. C'est Ivan le Terrible. Ah, le méchant. Le méchant. Le méchant. Let's go. Ah, il faut se dire que à nous trois, on aura réussi à tuer plus de 80 moutons en une game. J'avoue, le nombre de moutons, mec. C'est énorme. Nombre de moutons, mec. 28 moutons, il a ramené le mien, quoi. Ah non, mais on le saura, sur cette map, il y a masse moutons au mid. Ouais, il faut rush le mid avec les cavaliers. Ouais. Ça arrive quand, les ranked? Je pense, bah, début d'année prochaine, hein. D'ici 2 mois, ce sera là. Toute l'armée avec blindée avec artillerie et tout, par contre, à force de manger des baies. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement bouffé de baies, ils pouvaient plus bouger l'infanterie. Du coup, on a envoyé les chars. On a envoyé la machinerie. C'était plus confortable. Oh, je suis passé level 41. Mais c'est vrai que ça pexe de ouf quand tu fais les maîtrises et tout.
C'est impressionnant. Oh, Arabie aride. Oui, moi, je vais rester Delhi. Moi, j'aime bien Delhi, je suis assez à l'aise avec eux. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à mieux me développer en mid-game. Et à mieux résister aux push. Mais ça va, j'ai les bons réflexes avec les érudits en garnison et tout. Y a-t-il déjà un MMR? Ouais. Ouais, oui, ouais, je pense. Ouais, bah, il y a un classement et tout. Il y a Coca, il est à top 100 U, là. Il atteint son objectif. Beaucoup trop fort. Y a-t-il une cible qui peut juste zerg? Un seul type d'unité en masse. Tu peux jouer français et zerg cavalier, mais en fait, tu rencontreras un mur. De toute façon, dans tous les bons RTS, si tu fais qu'une seule unité et que t'as jamais de problème, il y a un problème dans le jeu, en fait. Donc, non, il n'y a pas de civ qui peut faire juste une unité et gagner. Mais, c'est souvent qu'on voit les Français qui font que des chevaliers et s'en sortent bien. Mais oui, non, mais Trauma BG de Narbonne, top 1 au classement, ça m'anéantit, ça aussi, hein, vraiment. Hein. Au secours. Marine Lord, hein, on le mérite pas. Hein. Hop, les recherches sont lancées. Les moutons sont collectés. Pililim. Oh, la maison, elle commence un peu tardivement. Je vais aller aider. Histoire de pas être supply block trop longtemps. Alors, va-t-il rattraper? La jauge. Va-t-il rattraper? Je crois que c'est un timing incroyable. Un timing parfait. Ça valait le coup. Je crois que maintenant... J'ai été un peu lent sur le timing des recherches de la mosquée. Il me faut un village de plus à la fin. T'as vu le trick pour tirer beaucoup plus vite avec ton scout? Ah non. Ah ouais? Alors avec ton scout, quand t'es près d'une biche, tu fais clic droit dessus, tu bouges, reclic droit dessus et ça reset l'attaque speed. Ah, tu fais c'est ultra cheaté. C'est ultra cheaté, mec. Hein. Tu clean un camp de biche en 2 secondes avec ça. Hein. Essaye, hein, tu verras. Il y en avait juste à gauche. Ici, là. Ouais, je sais, mais là j'ai trop de moutons, faut que je les remette. Ouais, moi les moutons, je stresse jamais trop quand j'en ai plein. Je suis en mode, bah ouais, j'en ai plein, il y a quoi? Non, mais c'est surtout, je repose énormément dessus. Tu utilises beaucoup les moutons, ouais. Ouais. Tiens, regarde, je vais te montrer. Comme ça. Hop. Ouais. Hop. T'as vu comme c'est abusé? T'as eu le temps de voir ou pas? Ouais. Je suis en train de le faire sur l'autre camp un peu au nord. Mais faut pas le faire avec attaque move. Hein. Faut être assez rapide. Faut faire clic droit. Okay. Si tu le fais avec attaque move, ça marche pas. Ça va pas cancel en fait. Not ideal. Ah, j'ai trouvé l'autre site. Putain, nice. Il y a un site sacré qui est pas trop galère d'accès. Il y a 3 sites sacrés. Hein. J'imagine qu'il y en a un. Si tu veux le trouver, mec, c'est trop bien. Ah, ouais, t'inquiète, je vais scouter la map. Ambaram.
Hop. J'aime pas quand quand ma forêt est orientée comme ça, c'est relou, je dois bouger la caméra pour bien ordonner la collecte. Hop. Bientôt fini le féodal. Blue Centro atteint l'âge féodal, mec. Tu vas faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? T'as perdu? Perdu? Bah, c'est perdu, mec. C'est juste. Comment on fait? Le chat, comment on va faire? Vous pouvez nous backseat sur ça, s'il vous plaît? Les recherches qui vont prendre un milliard d'années. Let's go. Mais l'or au début de game, c'est trop bien, les amis. Just do it, des murailles, c'est perdu. Vous êtes pas très positif, le chat. Hein. Pour vous, c'est perdu, quoi. Attendez, mais il est où ce site sacré? Mec, il est dans la zone que t'as pas scout, c'est sûr. Il est genre dans la pire zone, c'est évident. Oh, c'est toujours comme ça, mec. Il est là le problème, c'est que j'ai trop de monde à la foudre là. Attends. Il est là, je peux manger. Let's go. Merde. Bon, il y a de l'archer, évidemment. Il y a des troupes. Ah putain, j'aurais pu le tuer lui. Ouais, il y a déjà 2-3 archers derrière. Ok. Allez, construisez vite ça là, avant que des archers arrivent, sinon je vais te deg. Ah putain. Ah, il y a des chevaliers français. Déjà. Ouais. C'est relou, franchement. Ouais, mais ça va le faire. Dans les push, ça rend fou. On va arrêter de faire. I'll just go sneaky beaky like. C'est un très long mur, ça. Mais bon. On va peut-être faire un autre forum un jour.
Oh, des soucis de nourriture. Là. Tu vas faire un marché ? Ouais, j'en ai fait un déjà. Ok. Et de le faire dans le bac. Ok, il va pas me laisser les deux sacrés. Hein. Il a beaucoup de chevaliers. Il casse couille. Il casse couille, il veut pas se laisser faire. Une mosquée, ça. Et on est à 21. Ouais, il faut aller faire de la gold. I need more gold and experience. Ok, ça push, mec. Ça push chez toi. Quoi? Nice. Le moment de tomber sur les blocs. And supply blocked. Je vais aller chercher mon castle assez vite, moi. Ah, j'aimerais bien qu'on lui... Il micro bien, à chaque fois il dégage ses unités dès qu'ils sont dans la merde. Ils sont plantés dans les fouets. Oh putain, il y a beaucoup. Oh là oui, ça... Ils sont restés féodales, les cons. Ouais, ça va être chaud là. Oh putain, je vais me faire prendre. Non, ouais, dégage-les. Ouais. Faut que tu te voules, mec. J'arrive. Désolé. Je suis désolé. Fais des tours. Ah, ils ont des béliers. Mec, faut les attaquer maintenant là, je pense. Oh, c'est chaud, mec. Oh, ça casse les couilles, les béliers. Non, faut, on peut pas. Faut qu'on s'occupe des.
Ah, ça fait trop chier, mec. Ça me casse les couilles. Encore les béliers qui vont gagner une game là. Il y avait des vites. Ah mec, ils ont eu enfin à l'aide hein. Comment tu fais là hein? C'est wall trop tard là. À l'aide hein, la masse critique d'archer, c'est le non fun absolu hein. Putain, qu'est-ce que c'est pété, c'est, j'ai envie de mourir hein. Là ils vont juste te rejeter, ça te dégoûte. Oh vraiment ça te dégoûte. Casse les couilles les push early dans ce jeu, c'est tellement trop fort quoi. On aurait dû le scout en vrai hein, mais pff, à l'aide hein. Ouais, seul moyen c'est que je fasse un atelier de siège le plus vite possible. En plus, je poussis avec ses chevaliers, ça dégoûte. Ouais, c'est trop fort, hein. C'est trop fort, mec. Genre le bélier. Ça m'a saoulé. Le bélier, mec, à l'aide. Hein. Le bélier, c'est insane. Bélier, puis. En vrai, même sans le bélier, mec. Même sans le bélier. On a juste pas assez bien scout le truc. Et on aurait dû swall. T'aurais dû swall plutôt, je pense. Pour nous donner le temps, on a fait un mauvais engage. Contre trois béliers, mon wood, je peux le combo. Hein. Et les trois béliers, ils rentrent, trois coups, c'est fini. Hein. Je pense que si, ça nous aurait permis de prendre une fight un peu plus avantageuse. Oui, mais... très certainement. Mais au secours, les chevaliers français et les putains d'archers anglais, qu'est-ce qu'on fait, nous, si on n'a pas d'unité de cheaté? Putain, c'était vraiment le combo de la mort, quoi, j'avoue, comment on fait, quoi. Trop dur, trop dur. J'ai tellement le sentiment que dès que tu vois les béliers, c'est fini. C'est ça qui me saoule dans ce jeu, c'est que les early push sont tellement pétés que... Ah, pour les repousser, c'est une... C'est un calvaire. C'est un calvaire. Genre, si tu l'as pas scout, c'est perdu. C'est ça qui me fatigue, en fait. J'ai trop l'impression que ça snowball trop facilement, l'early game. C'est... Tu perds une fight, t'as perdu. Simple que ça. Ah, c'est frustrant. En vrai, enfin, on a joué avec le feu parce que c'est vrai qu'on a zéro scout et on a tous les deux fait des builds ultra économiques. Non, moi j'ai pas fait un build ultra éco. Moi ah j'avais, ouais. J'avais de la prod, mais en fait le problème c'est que quand ils ont deux cifs qui ont des unités mais uniques, c'est ça, c'est ça. Le combo il est insane, mec. Chevalier français, archer anglais, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu te fais enculer, c'est tout. Tu peux pas quoi. Genre c'est trop dur. C'est trop dur. Anticiper la masse crit anglais. Mais en fait, les potes, le problème, c'est que le counter aux masses anglais, c'est les mangonos. Bonjour à tous, il faut être HD château. Trop dur. C'est trop dur, en fait. Genre... Il faut être HD château. Et les mangonos, c'est long à faire. Enfin, genre, à l'aide. Hein. Trop dur, je trouve, moi. Ah, le seul problème actuellement, c'est l'accès au bélier. On ne va pas le répéter. Hein. Le bélier, c'est facile. Parce que si vous étiez wall, vous auriez pu tempo et ça aurait pu donner un truc. Mais là, avec les béliers en plus, c'est un échec et mat. Quoi. Mais je pense que clairement, on aurait dû wall avant déjà. On aurait eu un meilleur positionnement de nos armées oui, et tout. On aurait dû avoir plus c'est d'infos. C'est vrai que je wall jamais en russe. Hein. Mais oui, les FR et anglais. Ouais, le combo FR et anglais, on devrait le voir venir. Tu vois les deux top tiers factions en face. Ben. C'est pas de top tiers anglais, hein, mais c'est fort. Ouais, ah, quand même. Ouais, Baie Rocheuse, bon, on va la jouer, mais s'il y a du français en face, au secours. Hein. On va être rude. Hein. Et pas en chinois. C'est. Ouais. Le vrai problème du bélier, ouais, le bélier, ça casse les couilles, le bélier. Ça meurt jamais et ça fait trop mal et. En fait, il te crée une menace devant chez toi et qu'est-ce que tu fais contre ça? Tu te fais défoncer en fait, c'est trop dur. Bah, tu dois sortir les villageois, sauf qu'avec les chevaliers, bah, ils te les découpent. Ouais. Non, mais même juste avec les archers, mec. Avec les archers, ils te tuent toutes les unités féodales en fait. Il y a là le problème aussi. C'est qu'avec les archers, ils te tuent toutes tes unités féodales. Et même si t'as de la cave, ouais. Il fait les pieux. Sauf si t'as les man-at-arms, mais le problème c'est qu'il faut avoir accès à eux. En fait, ah, c'est le problème. Moi en sultanat, je suis un abruti contre eux. Genre, je suis littéralement de la viande. Je n'ai pas les réponses en fait. Je n'ai pas les réponses. T'as fini Demon Souls, j'ai fait quel choix? J'ai eu la bonne fin. Et oui, je l'ai fini dès sa sortie, Nuja.
Jeu de fou. Jeu de fou. Du coup, je fais pareil. Bah ouais, mais du coup, tout le monde fait pareil, en fait. Et du coup, c'est chiant parce que bah, toutes les games jouent comme ça et c'est de la merde. Enfin, ça, ça me saoule, ça. Le bon, bah tout le monde fait ça, du coup, je le fais aussi. J'ai trop de mal avec cette mentalité, ça me gave. C'est vraiment la mentalité de facilité, quoi. Ouais, je sais plus ce que c'est déjà le start avec eux. Ouais, j'avais un BO, je l'ai perdu. Allez, on verra. Je crois que c'est collecteur direct en fait, c'est pas villageois. Et voilà, c'est ça. Et ensuite, je tombe mes gens à la food. Et je fais la. Oui, je collecte les impôts, c'est ça. C'est comme ça que ça marche au début. C'est que ça monte à 20, je collecte les impôts. Il joue quoi sans sou? Il joue russe. Ruski. Mais tu devais pas aller te coucher, toi? Il aurait pu jouer avec nous. Ouais. J'ai pas dit que je vais me coucher. J'ai dit que je dois finir le truc. Déjà, le truc Discord et. Ah, go. Et je dois envoyer d'autres messages par rapport à ce qui arrive. C'est quoi qui arrive? Oh. Là. Secret. C'est secret. Il y a Clover Brawl qui est pas secret. Mais il y a d'autres trucs. Par contre, j'ai le regret de te dire que Halo ne sera pas l'Overbrawl du coup. Pourquoi? Dommage. Dommage. Hein. Steven T, ça a pas aimé. Super. Vas-y, tu dégoûtes. J'ai joué mentalité, NT. Y'a un autre jeu qui était dans la liste d'attente qu'on va mettre. Hein. Putain, mais c'est ça. Ah, par contre, c'est la dèche aux moutons là. J'ai pas les moutons qui me font. Qui fait lui? Tu mets personne à la gold en chinois? Non, mais en fait, au début, je collecte ma gold avec mon officier impérial. Hmm. Ça me permet de pas avoir à aller chercher de la gold et. Hein? C'est quoi en russe? Moi, c'est zéro gold. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer là. Mon scout bouge tout seul. Ouais, c'est parce que je donne des ordres. Des ordres à la chaîne. Mia
Hop. Je sais plus trop si c'est ça le BO, mais bon, écoutez. Je fais comme je peux. Je sais plus trop c'est quoi. Ouais, en face c'est chinois et Deli. Ouais. En vrai, faut pas qu'on tarde à prendre l'eau, mec. Tu penses? Bah ouais, hein, là. Moi, je vais au con encore, hein, sinon. Ouais, je suis un early push chevalier. Hein. Putain, il me faut de la gold en vrai là. Et écoute leur code, voir s'ils ont. Ils partent à quoi? À quoi? Ouais, j'ai du port. Ah ouais, il y a beaucoup de ports déjà. Ah ouais, si on peut peut-être les punir, je sais pas. T'es comment là niveau tombé ou... full bateau de pêche. Écoute. Late un peu, non? Ouais, c'est très late. Probablement un peu greedy, hein. Ouais, mais on va voir ça, hein. Oula, il y a énormément de bois. Ouais, c'est normal. Ils veulent faire bateau. Hein. Ouais, c'est normal. Ok, moi il faudrait que j'aille, il faut que je fasse plus de food que ça, là. Ça va pas. Je vais essayer d'agresser un peu mon chevalier. Ouais, bonne idée. Moi, je fais un gros boom écho. Je vais faire masse villageois. Ok, ils font une barbacane du soleil vachement. Vachement proche de nous. C'est quoi ça? Quoi? Le bâtiment qui fait. Barbacane du Soleil, c'est un bâtiment défensif. Il a pas réussi à finir. Ah nice. Et il part défensif, il fait des piquets. Ok. Wow, il y a tellement de bateaux de pêche, mais. On leur laisse l'eau là. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est pas bon là. Je vais leur niquer leur écho en bois et. Peut-être les calmer un peu.
Ah, il m'a vu. Ah putain, il fait trop mal. Putain, j'ai tué un cochon pour la première fois de ma vie, mec. C'est 2000 de bouffe, je crois, un cochon. Les effets de dynastie sont-ils cumulables? Les effets disparaissent si tu passes à une autre dynastie, mais globalement, oui. Tu peux avoir toutes les dynasties dans une game, mais tu peux pas toutes les cumuler en même temps. Tu as un lieu sacré. Ouais, deux lieux sacrés. Il est sur une île ici. Ouais, il est sur une île tout en bas, ouais, c'est marrant. Moi je tech tech. Non mais pourquoi ils passent par là, c'est mon go. Ah, ils sont russes. Voilà. Ah, la vitesse de recherche de du truc avec le boost n'a pas de sens. Voilà, logo. Là, je suis en train de prod comme un taré des villageois. Ça n'a pas de sens. Ouais, ils ont vraiment full le bateau. Ah ouais, mais on va les punir. On va les punir. Moi, je vais partir. Tu veux partir quoi, toi, comme unité? Moi, je vais faire artillerie et cave. Enfin, artillerie piquée, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais faire artillerie piquée, moi. Ouais, bah je vais faire de la cave. Hein. Encore 900 de bouffe sur le sanglier. Ah, ils ont un petit éclaireur. Chez nous, ils se baladent. Mmh. Moi j'ai lancé le château en tout cas. Un peu à la bourre par rapport à toi, mais. Niveau économie, je vais bientôt être full. Huh?
Attends, j'aimerais bien pouvoir cliquer Impérial vite là, mais j'ai pas d'or, ça me saoule. Oh putain, merde. Quoi? Ils ont bien réagi? Beaucoup de piquets? Ah ouais, il y a beaucoup, beaucoup de piquets. Ok, moi je vais aller chercher mon impérial là. Ouais, moi aussi. Il y a d'autres endroits où il y a eu de la chasse. Je vais cliquer impérial. Ouais, moi aussi, très bientôt. Je suis un peu à court de bouffe là. Au mauvais moment, c'est relou. J'ai fait un marché. Je sais plus si j'ai fait de marché dans cette game à l'aide. Je crois que j'ai pas fait de marché, je suis un idiot. Va faire deux games quand même. Un marché dans le corner ici. Corner, t'es sûr? Ouais. Ah, t'en as fait un toi là. Allez, allez des esprits. Allez des esprits. Aïe 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 aïe. Merci Marine Lord. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, bro. Au Arsenal, de la part de notre cher Sans Sushi. Je vais chercher ça. Ouais, là, je suis dans la merde, là, niveau... Ok. Oh ah, merde putain. Ouais. Ouais bah on va les pousser avec de l'artillerie mec hein. Ah, les petits coquins quoi. Je vais faire du trébuchet et du piqué moi. Ah, je fais cave Strapsy. Fondage de bois là. Pas ouf là le bois. Pas foufou. Ah, 10 minutes hein. Où sont les autres reliques? Là. A mon avis, ça a été une erreur de pas faire l'eau. Hein. Ah. Je pense qu'on va, on va pas aimer. Hein. On va pas aimer ce qu'on va voir, à mon avis. On va voir, mais à mon avis, c'était une petite erreur. Ouais, j'essaie de deny le max de l'auto pêche. Il y a très peu de bateaux d'armée en fait. Hein. Bah ouais, c'est pour ça, mais bon, à tout moment ils peuvent se mettre en prod. Hein. Il me faut vraiment plus de santé dans un siège, portée.
partie dure, il y a trop de trucs importants là. Je vais toutes les faire. Mais le problème c'est que là... On se bouge là. Hein. Ouais, je sais. Il faut booster mon... Voilà, mon horloge. Il arrive mon... Allez. Tu sens comment par rapport à ton armée là? T'es comment niveau armée? Il nous reste 7 minutes 24. Ok. Et de quoi bouge. Okay. Et deux bombardes. J'ai de quoi prendre une petite armée là. Okay. Vu les bateaux à mon avis. Ah putain, il y a beaucoup de piquets par contre. Hein. Ouais mais je vais faire du mini d'abeilles. Ah, il me faut trop de bois, c'est terrible. Ils viennent de digne impérial. Bon, mais mes collecteurs d'impôts là, ils foutent quoi en fait? Je deviens fou là. Non mais, ah, ils me cassent les couilles, les contrôles des collecteurs d'impôts, ils sont chiants quoi. Écoutez ce que je vous dis, t'as dit Dio là. N'écoute pas là, ça rend dingue. Et le temps de recharge des bombardes, porter des espringales. Ouais, porter des espringales, c'est balèze ça. On va faire le temps de recharge des bombardes. Ah, il me faut vraiment plus de bois. Attends, j'ai fait mes recherches de bois là? Putain, j'ai pas fait la recherche la plus importante en bois. C'est pour ça aussi que je galère. Ah, j'ai fait 4 forums? Oh ouais, non, mais je suis ravagé, j'ai oublié que j'en ai fait 4. Oh, j'ai un sérieux problème, hein. Oh, les amis, c'est compliqué quand même hein, d'être aussi couillon là. Ok. J'ai mes unités qui vont commencer à arriver là. Quand tu veux là. Commence à avoir beaucoup. Ouais, bah vas-y, attends. Je me mets à prod, enfin, je sors les doigts. Mais ma forge. Ouah, la forge, j'ai encore beaucoup de travail, les amis. J'ai des murs. Vénère. Ouais, ouais. Bah, t'as des bombardes, hein, vas-y. Hein. En vrai, go l'assiéger. Ouais, il va falloir qu'on y stoppe ce truc là. Est-ce qu'il faut mieux là? Vas-y, détague le lieu sacré. Faut répéter ces murs là avec tes bombardes, ils gênent vraiment de ouf. Attends, je vais péter le château. Ils sont gênants quoi. Désolé mec, mais ils sont gênants quoi. Nickel, on va détaquer ce truc. Il y a beaucoup qui arrivent, hein. Ça me push. Ouais bah... Recule.
Allez, adieu. Et la prochaine salve, ils vont prendre trop cher. D'accord. C'est pas clair la visée de ce truc quand même, hein. C'est les bateaux qui se font cramer par les nids d'abeilles. Oh, c'est des escopettiers. Ok, ils ont des éléphants. Faut faire de l'espringale, faut faire du strelsy, mec. Non, attends. Oh, on lui fume tous ses bateaux de pêche. A pu. Ouais, c'est ça le monument de défense. Il y avait beaucoup d'éléphants. Oh, les dégâts gratuits sur les escopettiers, c'est pas mal. Viens m'aider, viens m'aider. J'ai peur qu'il tente un flank par le dessus. Attends, 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 fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Mais là, tu les fumes, hein, tu les fumes. J'arrive. Faut leur avancer dessus, là. On leur pète le front. Pète des barraques parce que j'en ai plus. Ok, t'as vu, Tuscal? Ouais, on leur snipe. Non, ça one shot pas, mais ça fait très mal, ouais. Attends, on en a eu un. Et ouais, ils ont oublié que c'était aussi une map qui pouvait se jouer sur la terre, je crois. C'est comme ça qu'on va perdre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait super mal à ces escopettiers. Vas-y, avance, hein. Tiens, tiens bon. Voilà, ils ont pris l'avantage. Là. Let's go, les strelsy, mec. Derrière nous, derrière nous, derrière nous. Est-ce que tu peux focus fire? Beaucoup, beaucoup d'espringales. En vrai, on bat. On va transi sur escopettier, je pense. Ouais,
我会奉命去做一座需要建造的建筑。大家听好，命令即将下，我会奉命去做。 Faut qu'on investisse cette zone là, mec. Ah, d'accord. Ah, il va mettre des châteaux là, non? Genre faire des walls aussi. Là, c'est là, j'aimerais bien être indien pour pouvoir poser des walls comme je veux. Hein? Y'a plus de pierre? C'est quoi ce truc? Il fait une merveille. Bon, en vrai, ça veut dire qu'il a dépensé toutes ses ressources là-dedans. Ouais. Oh, il a sa caravane. Ouais, on va l'intercepter. Adieu. Bon. Ça se convertit, les caravanes ? Écoutez-le, le joueur Saint-Empire romain là. Mais non, mais en vrai. Bouge. En vrai, tu chopes une des caravanes, hop, tu convertis tout ça. Y'a pas de caravane. Molo, 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 frère. Molo, molo, molo. Il a fait full espringale. C'est ce qu'il y a en jeu. Pas mal ce qu'on leur a fait. Attention l'éléphant. Les escopettiers, c'est quand même insane, mec. Ouais, c'est combien déjà? 120-120, ouais, j'avoue. 120-120, c'est fort. Elle est où sa merveille? Tout dans le coin de la map, ça va le faire. Faut juste pas perdre de temps, quoi. Il continue à faire de l'éléphant, il a pas compris par contre. Hein. Ça doit être un joueur débutant, hein, parce que là, faire autant d'éléphants alors qu'on le meule depuis tout à l'heure. Hein. C'est marchand qui est au château chez eux. Ça
Faut le sniper là. En fait, là, l'erreur qu'ils ont fait en plus, c'est que le joueur qui a construit la merveille, c'est celui qui est en front en fait. Ouais. Donc là, si on lui snipe sa merveille, c'est gagné. Enfin, si on lui snipe son forum et d'autres monuments éventuellement, c'est gagné. Il y a l'allée des esprits juste derrière. Faut essayer de sniper. Il est en train d'amasser une petite armée là. Ça suffira pas. Hein. Faut lui sniper l'allée des esprits derrière. Attention, on a été. Ah, j'ai mes piquets qui sont là. Ah, c'est spectacle la Chine. Ça pète bien, ça pète bien. Il y avait une game pro, il y a un mec qui a gagné une game en chinois où il a fait une fronde de l'artillerie. Pas une seule infanterie. Ah ouais, bah en même temps l'artillerie chinoise c'est n'importe. Est-ce qu'il est mort là-dessus? Non, il a d'autres monuments. Ok, où est-ce qu'il est son dernier monument? Ah, il y a le palais impérial. On l'a pas détruit. Allez, c'est gagné. Merveille détruite. On joue l'autre maintenant. Et ouais, je mec. Eh ben, ça me fait plaisir qu'on win celle-ci après pas du tout avoir joué l'eau. Comme quoi, des fois, bah, des fois ça marche. GG Wellplay. Bien joué, mec. Là, celle-ci, j'avais la flemme de jouer l'eau. Et du coup, bah, on a quand même réussi à la win. C'est beau, putain. C'est beau. Ah, il a quitté l'autre aussi. Let's go! GG mec! GG. Ah, ils sont allés prendre le lieu sacré sur l'île quoi. C'est la première fois que je vois ça. D'ailleurs, je me posais la question s'il y avait vraiment une île sur cette map. Ouais, ouais, ouais. Et c'est même là-dessus que t'as le port marchand. Ah, il y a un port marchand! Ah ouais. Ouais. Putain, stylé. Stylé, stylé. Ils ont pas du tout abusé. Ils en ont... Bah, tu penses pas qu'ils en ont abusé? Non, je pense qu'ils ont pas du tout assez abusé de ça. Économie, je regarde. Ils avaient totalement le contrôle de la flotte et je pense qu'ils en ont pas assez profité. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah, ils étaient bien en nourriture et bois. En nourriture, ils ont tellement fait de bateaux, les mecs. Tellement fait d'or aussi. J'étais tellement à la ramasse sur toutes les ressources. C'est peut-être. Tu veux dire quand tu regardes quantité? En économie, ouais. Ah, dans statistiques? Ouais, non, dans économie. Ouais, dans stats. Ouais, parce que si tu regardes quantité, en fait, c'est ce que t'as en banque. Hein. Donc en vrai, plus c'est bas, mieux c'est. Hein. Si c'est haut, c'est que soit t'as trop d'armée, soit tu gères ça comme un kek, quoi. Voilà, moi c'est très haut. Ouais, non, mais dans stats, j'ai très peu récolté en économie. Ah, c'est le bois, moi. Le bois, c'était terrible. Tout le long de la game, j'en pouvais plus. T'as combien de villageois? À 85, max. T'es à combien de. Ouais, 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 non mais... Ah ouais, il a fait que 65 Another Space Guy. Ah oui, mais tu m'étonnes qu'ils se sont fait latter. Après, ça compte les bateaux ou pas? Je sais pas du tout. Parce que si ça compte pas les bateaux, bon, moi j'ai fait aucun bateau. J'ai pas fait un seul port de la game. Donc j'ai fait 108 villageois. Petite relique aussi, là. Petite relique, ça fait toujours du bien. Tu vas voir un moyen de faire une méga forteresse à plusieurs rangées de remparts sur l'île. Sur l'île? Bon, après le problème, c'est que c'est les bateaux, c'est insane pour détruire les forteresses sur les îles, hein. Les bateaux, ça fait trop de dégâts. Hein. Les canons, c'est insane. Ah, les bateaux impériaux. Ça aurait été une strat. Hein. Parce qu'on était tellement à la bourre sur la flotte que s'ils avaient construit leur merveille l'île. Moi, ça m'aurait fait. En vrai, ça aurait été trop malin de leur part de faire la merveille sur l'île. Bah ouais. Moi, quand j'ai vu merveille et que je t'ai dit elle est où, je me suis dit dans ma tête si elle est sur l'île, c'est perdu. T'es mort. En vrai, si elle est sur l'île, le temps... En fait, on aurait dû delete tout, faire masse bois. En vrai, j'avais déjà des ports. Ah ouais? Donc j'aurais pu faire des bateaux de transport très rapidement et on l'aurait rush. Bah attends, je vais regarder s'il y a la place en vrai. Attends, je vais créer une game, voir juste vite fait avec le Fog of War levé. Je vais juste voir si... voilà, petite 4 joueurs. État de la carte découverte. Je vais juste voir... À quoi ressemble la Lille? Parce qu'en vrai, ça se trouve, il n'y a même pas la place pour faire le monument. Enfin, la merveille. Peut-être.
Ouais, s'il avait fait le landmark sur l'île aussi, c'était perdu. En fait, ce qui est fort avec chinois, c'est que même quand t'es impérial, si t'as pas fait le dernier bâtiment de dynastie, tu peux encore placer ton monument où tu veux. Et du coup, ça te donne des options tactiques. Et là, ça aurait été super bien joué de sa part. De mettre monument plus merveille sur l'île. Là, ça aurait été trop bien joué. Ah oui, il y a la place, mec. Oh, il y a 100% la place. Ah ouais, le comptoir côtier, trop marrant. Ah, c'est marrant, cette petite île. Après, pour la défense... Après, on aurait mis du temps à faire des bateaux de guerre pour tomber les murailles, débarquer. Ouais, c'est marrant comme truc. Ah, c'est marrant. Ah, c'est vachement marrant. Ah, c'est marrant. D'accord. Ah, c'est cool, d'accord. Donc du coup, en vrai, c'est une strat viable hein, de faire ça. Hein. Construis ta merveille là, tu mets un de tes derniers monuments ici, tu fais full navy, dans l'idéal, tu joues au français. Et tu même si tu te fais raser ta base, tu joues l'objectif, défense de ouf. En vrai, ça peut être trop épique. Hein. Ouais, clairement. Ah, je viens de voir, on voit le reflet des nuages dans l'eau. C'est joli. Ouais, le comptoir côtier est vraiment cool. Ouais, il est stylé. Bon, les poules bougent pas. Hein. Ça, c'est vraiment... je trouve ça trop dommage que les animaux, les trucs qui devraient bouger dans les bâtiments bougent juste pas, en fait. C'est clairement manque... C'est du PNG. Bah, c'est pas du PNG, non. C'est des modèles 3D, mais juste, ils ne bougent pas. Alors que tout autour vit, mais ça ne bouge pas. C'est trop dommage. Dommage. Ah, ça donne deux ressources, le comptoir côtier. Ah ouais. Un navire de commerce ou un marchand envoyé dans un comptoir revient respectivement au port ou au marché avec de l'or. Les comptoirs génèrent 20% d'or de plus que les ports ou les marchés appartenant aux joueurs. Putain, c'était écrit là. J'avais jamais lu. Comptoirs côtiers ne peuvent pas être attaqués ou détruits. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Bon, bah, marrant. Ouais, ils auraient dû faire ça. Hein. Ça nous aurait mis le seum. Clairement. Ils auraient pu win. Ils auraient pu win. Pour info, le comptoir côtier, il rentabilise un navire de commerce en environ 2 trajets. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Bon bah écoute, c'était fort sympa mon cher Sanson. C'est de bonnes games en ma compagnie. Yep. Moi je vais te laisser ici mec. C'était cool. C'est cool. Toujours un plaisir. Bonne nuitée, hein. Très cher allié. j'ai reçu les décors de Summer. Alors ils sont bien peints. Ouais, ils sont très bien peints. Ouais. Il a grave géré. C'est marrant parce que côté Warcry, il y avait beaucoup plus. Hein. En fait, côté Kill Team, il y avait plus de bâtiments avec étages. Et côté Warcry, il y a juste plus d'éléments de décor un peu random dans tous les sens. Ah ouais. Mais ouais, non, ils rendent vachement bien. J'ai foutu mes taux dedans et tout. C'est marrant. Ils sont bien. Ils sont beaux. Mais là, du coup, je vais reprendre dimanche la peinture, moi. Reprise de la Warprem. Dimanche. Enfin. Enfin. Boys. Ça faisait trop longtemps. Donc ouais, il faut que demain je vais m'attaquer un peu au setup et tout, faire en sorte que tout soit bien branché, tout ça. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Bon nice. Ça va être bien. Bon bah je vous laisse là les mecs. Des bisous. Un ciao. Yep. Bonne soirée. Bonne nuitée. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Voilà les amis, c'était découverte de Halo Infinite ainsi que Age of Empires 4. Quel plaisir. Des bonnes petites games ce soir. Même si, je pense qu'il y a quand même des soucis avec l'early game sur Age of Empires 4. Il y a un petit souci d'être capable de pouvoir contrer certaines choses qui me semblent un peu incontrables si jamais tu les vois un peu tard. Et ça, c'est un sentiment qui n'est pas très agréable. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, mesdames et messieurs, sur ce stream. On se retrouve dimanche. On était vendredi, du coup, on se retrouve dimanche à 15h pour la War Aprem. Et en soirée, on voit ce qu'on va faire, mais probablement du Age of, peut-être un autre jeu, mais ça dépendra. On m'a proposé quelques soirées multi là, sur des petits jeux sympas et tout, notamment avec Cola, tout ça. Donc voilà. C'était bien, Halo. Ouais, c'est cool. Pour le coup, le jeu, on sent qu'il est, voilà, c'est du giga triple A, hein, c'est du quadruple A. Après, je trouve que c'est lent. Voilà, venant de le dernier triple A FPS que j'ai fait, c'était Doom Eternal. Halo, c'est très 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 lent et je trouve que niveau innovation, truc modernité dans les ajouts, ça va pas très très loin, mais ça reste fun, c'est agréable à jouer, ça touche bien, les armes ont un bon feeling, donc c'était sympa. J'ai pas trouvé ça insane, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, c'était sympa, voilà, tout simplement.
Vos games sont des games de débutants ultra passifs, normal que des compos late game incontrôlables tombent. Comment ça? Non, c'est pas, on parle pas du tout de ça, Noisica. Là, c'est absolument hors sujet, là. Non, on parlait du fait que les push béliers et certains combos unités en early sont quasi impossibles à contrer si toi-même, tu n'es pas parti sur un build en early game, en fait. Genre, c'est extrêmement dur de contrer certains trucs. Et on parlait pas du tout de late game. Et oui, on est sur des... Beaucoup de no game, ça chill, ça agresse pas en early. Mais en vrai, je devrais être beaucoup plus agressif en early, moi. Parce que je fais beaucoup de team game, du coup, ça me force pas forcément à être très agressif. Et je joue pas des factions qui ont un early game de ouf. Hein. Daily et Shin, en early game, c'est un peu de la daube. Hein. Mais il faudrait que j'apprenne un peu plus cette aggro. Faudrait clairement que j'apprenne ça. Mais je pense que je vais me mettre à apprendre d'autres civs là bientôt. Faudrait que j'essaye d'apprendre un peu anglais. Faudrait que j'apprenne un petit peu aussi Abbasid, je pense que je vais les apprendre aussi. Ils ont l'air vraiment cool. Faut jamais faire deux faux. C'est faux ça, c'est n'importe quoi de dire ça. Faut pas jamais faire deux faux, au contraire. Deux faux, trois faux, c'est très, très, très classique. Mais par contre, quand tu as une agression en early, en effet, faire un deuxième faux, c'est greedy. C'est greedy. Mais tout à l'heure, que je fasse un deuxième faux ou pas, ça aurait rien changé. Mais t'as vu les games, mec? Je crois pas que t'as vu les games, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de mieux scout ces early agressions dures à défendre? Oui, je pense. Mais le problème, c'est qu'aussi, ton scout doit faire tellement de choses en début de partie, selon la faction que tu joues, que c'est très facile de louper des pushes. En tout cas, en team game. En 1v1, c'est une autre histoire. Mais en team game, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En fait, les pushes à base de bélier et d'armées concentrées au même endroit contre un joueur en 2v2 ou en 3v3, ils sont vraiment violents. Ils sont vraiment très très durs à contrer. Hein. Et ça, c'est un peu frustrant. Merci au Komoye, merci pour les 21 mois de soutien. Tiens, voilà quelqu'un. Petit abonnement de fin de live. Merci beaucoup. Merci Ruskov7 pour les 2 mois aussi. Jackal, 29 mois. Ah, mais j'ai pas vu, il y avait Trivia qui nous arrête tout à l'heure. Merci beaucoup, Trivia. Bienvenue. Bienvenue à tous. Je suis désolé, j'ai pas vu ton raid, Trivia. J'espère que ton live s'est bien passé. C'est très gentil. C'est très très gentil. Mais oui, comme dans tout l'RTS, la solution c'est la prise d'info. Plus t'es au courant tôt et plus tu peux contrer. Mais en fait, le sentiment que j'ai avec les push béliers, c'est que même si t'es au courant tôt, avec certaines cives, marche pas quand même en fait. Ça reste quand même très dur. Donc bon, je sais pas. Tu rescoutes mid-game? Ça m'arrive, ouais. Mais ça dépend des games. Hein. Mais après, encore une fois, moi, la plupart de mes games sont des team games. Donc je suis pas du tout un joueur avec les bons réflexes, en fait. Je m'appuie beaucoup sur le scouting des alliés. J'ai pas les bons réflexes d'un joueur 1v1, évidemment. Je sais vraiment pas quand scout. Faut toujours essayer de scout, dès que tu peux. Faut toujours que ton éclaireur soit actif. S'il est pas actif, c'est pas normal. Merci Gunter Ernst, merci pour le Prime, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci pour tous les subs, les copains. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous retrouve du coup dimanche pour la War Prime. On va peindre, ça va être cool. Ça va être cool. Je vous laisse ici. Des bisous, les copains. Bonne nuit à tous. Bye bye.